Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Toujours en direct du Bled, il est 9h37. Je suis le premier à être réveillé, Yacine il est encore en train de dormir. Aujourd'hui, grosse journée, regardez derrière moi les palmiers et tout, il fait super beau. Aujourd'hui, je vous dis concrètement, ça va être un gros prank. Je vous explique avec moi, il y a mon petit frère, ma petite sœur, Nassim, Omar et d'autres membres de ma famille que je peux pas filmer parce qu'ils sont pas sur YouTube. Mais aujourd'hui, on va pranker Omar, on va essayer de le surprendre. Le faire, pas une balayette, mais en gros, le mettre dans la piscine normal. J'attends qu'Yacine se lève et je vous reprends la mif. Le retour de Yacine, t'as bien dormi? Ça va. Hey, t'as fait gaulerie grave des gens quand t'as dit le bled c'est dur et tout, que tu cherchais au champ. Ça? Ouais. Ça, c'est pas évident. Donc là, Yacine, je te propose. J'ai 2 heures pour boire tout ça là. Ça va alors, la nouvelle eau elle est bonne? En vrai, ça va, y'a pas un goût bizarre, mais la consistance elle est lourde, on dirait que je tape un grec. Vas-y, bah là, c'est quoi? On va faire un petit tir à l'arc pour un peu égarer les soupçons. Après, on va prendre au moins. Ici, c'est pas évident. Toutes les heures, les gens ils te réveillent. À 8h, maman rentre dans la chambre. Et la dame à 9h, la dame de ménage rentre dans la chambre. À 10h, je me réveille, y'a plus personne. T'es habillé comme ça, tout le monde est habillé. T'as le seul à te balader comme ça, wesh. Mais on est en vacances, Yacine, j'ai le droit. De malade. Tant que ça c'est préservé, tu peux. Allez, viens, on va faire du tir à l'arc. Je vais te montrer ce qu'il reprend des Younes. Le moniteur, il est arrivé. Il est là. Équipe. Ça va pas trop simple? Non, c'est parfait. Parfait, non. Lui, c'est un professionnel, lui. Hein. N'importe quoi là-bas. Ouais, c'est un professionnel. Tu tires à l'arc avant? Ouais. Tu fais le tirer de là, en vrai, de là. Je fais pas le tir à l'arc, chef, c'est juste je fais du lancer de claquette, tu connais? Le lancer de claquette, mais alors? Ah oui, bah ça, c'est ce qu'on est, c'est l'activité pour les mamans, tu vois. Trois doigts en saut de finition. On tire jusqu'à notre play de water. On vise notre point, 1, 2, 3 et on lâche. Alors il ne faut pas être ni comme ça, ni comme ça. Il faut être le même niveau avec les épaules. Juste on tire, on vise, 1, 2, 3 et on lâche. Moi je tire à l'arc, ça fait 18. Allez. Au moment de l'oxyde, tu le tiens à l'envers. C'est-à-dire? Tu le tiens à l'envers. Non, moi je suis droitier. Vas-y, bah tiens le. Ouais, non, c'est comme ça, t'as raison, c'est comme ça. Laisse-le, vas-y, c'est comme ça. Non, mais aide-moi. Vous avez raison, voilà. C'est lui, il me déconcentre. Alors attends, comment t'as... Ouais, c'est comme ça, vas-y, maintenant tu tires vers toi, vas-y, ouais. Voilà, là tu vises, tu t'allonges et tu tires. Là, il faut un coup de main, là. Ouais. Et ta main, tu la passes par-dessus l'arc. Allez, Robinoud. Allez, t'as l'air. Je vois, aïe, aïe, aïe. Là, voilà, tu vois, ça. Alors là, tournez carrément ici. Non, là, là. Voilà, t'as un peu plus de jambes. Pas de droit. Pas. Oh, tiens ta respiration. Voilà. Moi je pense qu'il tape même pas le rond. Bloc. C'est bien, mais juste en fait, faut le main gauche bien tendu. Oh, ta main gauche, il a dit. Tendu. Non, la flèche au niveau de l'œil. Monte-la légèrement. Voilà. Descends un petit peu plus ton épaule là, vers l'arrière. Voilà. Là, t'es droit. Vas-y. Oh, elle est belle. Oh, c'est qui le patron? C'est moi le patron ici. Pas point. T'es nul au foot, à la musculation et au tir à l'arc. C'est pas évident. Ah, c'est mieux. Possible, ça. C'est mieux? Mais je crois que t'as carrément touché le bois. Je crois, hein, je suis pas sûr. Allez, faut aller chercher les flèches. Bon, Younes, il y a une cible. Ils ont mis une orange. On va voir si tu vas la voir. Moi, je pronostic, tu tires en haut à gauche dans le vert. Oh, j'étais vraiment à côté. A few moments later. Omar, il est là-bas, là, il est au bar. Il est au bar en train d'essayer de se prendre un verre de coca. On va attendre avec Yacine. Dès qu'il est bien opportuné. Oh, monsieur, là, habillez-vous, s'il vous plaît. Dès qu'il est bien opportuné, bon, on le pousse. Pour une fois dans ma vie, les gars, je suis dans l'équipe de Yacine dans les pranks. On va faire voilà, gardez pour qu'elle commence maintenant. Et mon équipe, elle gagne toujours. Là, je suis avec toi, ok, pendant ces temps-là. Ouais, non, mais que pour celui-là. Après, on voit ce qu'on fait après. Arrête. C'est une trêve internationale de un jour. Omar Miskin, il va prendre cher. Ça va être lui la cible aujourd'hui. Et Omar, bon courage. Vas-y, on va se mettre en place. Je suis en train de boire un cocktail. Je te laisse le pousser. Moi, j'ai pas envie d'être dans les bourbiers. Arrête, vous allez tous vous mettre contre moi. Vas-y. J'ai pas envie. Vas-y, tu vas. Vas-y. Attends, laisse-moi le temps de me placer, ok? Ouais, je vais avancer vers lui, au pire s'il me voit, je vais essayer de lui parler, c'est tout. Ouais, vas-y. Je vais essayer de me planquer, les gars, s'il voit la caméra, ça va être très très compliqué. Je vais essayer de me cacher là, dans les buissons. Vraiment là, c'est carré. Oh le bâtard. Oh le gamin.
La guerre des pranks, mon pote. Et il a dit va, ouais, il a dit va te mélanger. Non, pardon. Oh, vas-y, avance. Avance, cours. Putain, il arrive, sa mère. Il arrive. Oh là, il est énervé, Yacine. Accélère, il a pas de vitesse. Il a mangé que des pots au chocolat et des pancakes ce matin. Il a pas de vitesse, il a pas de claquettes. Dépêche-toi. Oh, il se rapproche. Oh, ferme la porte dès que j'arrive, s'il te plaît. Non, mais moi, je vais m'enfuir, vous allez courir. Ferme la porte. J'ai vraiment rien fait. Moi, c'est le fond, on est dans le guet. C'est comme ça, c'est les vacances. Il l'a attrapé. Non, il y a le mec qui vous appelle, il a dit oh. Il t'appelle, venu dire désolé. À qui? Au monsieur là-bas, là. Désolé. Il a dit désolé. Attends, calme-toi. Ne pas casser. Désolé. Eh, prenez vos claquettes. Il est là-bas, monsieur. Alors, arrête, c'est les pranks, alors, c'est les pranks. Y'a pas de prank. Arrête. Y'a pas. Faites quoi? Si, c'est les pranks. Non. Ah, Omar, juste avant, je te dis un truc. Moi, j'ai rien fait. Ok. Arrête, c'est pas vrai. C'est lui, chef de banque. Donne ton argent. Non, c'est lui, chef de banque. Donne ton argent. Non, c'est marrant, c'est les pranks. Attends, regarde. Ok, je vais te les donner. Attends, je vais te les donner, frère. Attends. Lâche-moi. Mais tu cours. Comment je te balaye? Mais comment je te donne l'argent si je fais ça? Attends. On embrouille. Omar vient après pour profiter de la piscine. Moi, je peux en embrouiller avec lui. Attends, vite fait, Younes. Ouais, glacée, j'espère magique. Pour toi que ici t'as bien renforcé avec la crème solaire. Ouais, j'en ai mis un peu pour toi. Sinon, tu vas halah au soleil. Elle est froide? J'avoue, il y a zéro nuage. Elle est gelée, elle prend un peu de tu mets sur. Elle est gelée. Oh, on prend un peu d'eau avec ta main. Non, mais attends, moi je rentre dedans d'abord. Vas-y. Prends un peu d'eau. Non, elle est gelée. Oh, attends, faut que je m'habitue doucement. Ça se fait pas, hein. Arrêtez, ça y est, arrêtez. Là, il y a sa maman qui me regarde, donc je peux pas trop. Mais non, viens, une petite course. Vas-y, une course de regarde, où vous allez. Du milieu où il y a la dame, vous revenez. 3, 2, 1, c'est parti. On va voir qui va gagner. Ok. Ok, revenez. Oh, Omar, il est devant. Aïe, aïe, c'était galère par Younes. T'as vu, Machallah, comment il est intelligent? Il t'a coupé le chemin comme ça, tu y viens pas. Là, c'est manger des légumes, de la viande. Là, c'est manger des crêpes, des pains au chocolat. Tu m'as coupé le chemin. Tu m'as coupé le chemin. Mais je jurais, on est d'accord, il m'a coupé. Ok, la belle, il y a un, puis il t'a battu dans la bagarre, tu l'as battu en un truc, puis après, il s'est secoué sec. Alhamdoulilah, t'as gagné. Là, ça y est, on s'est calmé, on va négocier un ballon. Eh, laisse-moi parler. Un ballon de la plage, touche les ballons pour voir s'ils sont bien. On celle-là, les non, elle est un ouf, c'est une balle en cuir. Non, elle est bien, elle fait mal au pied. Touche avec tes mains. Voilà, fait du bien. C'est une fausse. Elle caresse. T'as mal à tuer le pied. Quand tu vas la mettre dans l'eau, elle va. C'est celle-là qu'il faut carrément. C'est celle-là. Ouais. Vas-y, ok. C'est ça pour la plage. Hey, il a cru qu'on avait 5. Vas-y, viens. Je vais rentrer, laisse-moi négocier. Prends-la, je te lance un défi, tu dois l'avoir à 0,5 Gina. Non. Salam alaikum, tu vois. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum, la Tunisie. Ça va? Ça va, Koya? Algérie. Mais Tunisie-Algérie? Comme ça. Dis-moi, je voulais un ballon pour la plage. Oh non, pas 13 dinars, Rachid. Il est à 5 dinars. 5 dinars, c'est lesquels? C'est le Gucci. Non, ça c'est le Gucci. On va essayer d'avoir un. 13 dinars. Tonton, tu veux faire un prix, tonton? 10 dinars. 10 dinars? Vas-y, 10 dinars. Et les lunettes du soleil, je vais rajouter. Tu peux essayer? La Dior, elle est sympathique celle-là ou pas? Franchement, elle est cool. Hein. La Dior, on va essayer de négocier une petite paire Dior. Prends-moi une paire, moi aussi. Toi aussi, une petite paire? Ouais. C'est moi qui négocie. Hein. Ah, mais c'est moi qui va payer, c'est ça? Ouais. Clochard. Elle a combien celle-là? Les lunettes, ton pont, tu les fais à combien? 30 dinars. Oh, ça ira, ça ira. Il y a 30 et 10 dinars là-bas. Celle-là, tu l'as. C'est quoi ton dernier prix celle-là? 25. 25?
fait combien en euros? Un menu Big Mac. C'est 10 euros. 10 balles en vrai, ça va 10 balles. Est-ce qu'elle est bien? Dis-moi si elle est bien, je la prends 10 balles comme ça. Dire un... En tous les cas, je vais te la péter. Abdel Hakinio, on dirait. Vas-y, bah, on va prendre ça et le ballon. Parce que j'ai bien négocié quand même. Celle-là, elle est incroyable, non? Essaye pour voir. 18, 30 dinars les deux. On prend les deux. 30 dinars les deux lunettes. On va voir si c'est ça. Vas-y. Ah, si on fait ça, on est chaud. Mon pote il va arriver, il est en train de péter un câble de la vie. Il y a une souris, il va rentrer dans ma boutique, il casse les fous. On va prendre, chef, on va prendre ça, bismillah. Pardon. Ça aussi. On va ajouter celle-là. Mais on va faire un prix. Hein. 40 dinars les 3. Un petit prix. 40 dinars les 3. Ouais, 40 dinars les 3. 40 tout. Ouais, 18 tout. On va prendre ça, ça et ça. 25, 60. Voilà les cadres. Alors, on a pas d'argent, on est venu en Tunisie, on est en vacances, fais-nous un petit prix. Un petit prix. Un petit prix. Allez, bismillah, 58. Parce que t'es gentil et vive la Tunisie. Vive l'Algérie. Mashallah. Bon, allez, 58. Sur l'argent, c'est ton cas, c'est lui qui paye. Moi c'est... Oui, c'est lui. Ça rafouille. Prends ta PR. En vrai, Yassine, on va se l'échanger la PR. Non, moi je prends celle-là. Hein. Non, non, c'est mort, c'est mort. Arrête, c'est moi, c'est mon goût, c'est mon goût. C'est mon goût. Merci. Tiens, donne la balle. Parce que toi, t'es... Merci tonton, salam alaikum, bon courage. Des pigeons. Merci frère. De gros pigeons. On n'est pas des pigeons, ça va, oui. On les a bien négociés les lunettes. Super classe, oh, ça fait coma. Voir si vous avez perdu au football. Hey. Nassim, toujours technicien, machallah, super fort. Yassine le crack. C'est pas ici, Sofiane. On est tombé sur des chameaux. Regarde là, sur la selle, il y a marqué quoi? Beau gosse. Beau gosse. Bon, là, on va à Orange, on va voir si Yacine il s'en sort mieux. Tu négocies? Vas-y, c'est quoi? T'as payé combien à l'aéroport? Alors, pour, à l'aéroport, j'ai payé 20 euros pour 50 gigas. Donc 60 dinars. 60 dinars. Et si tu veux 10 euros, 20 gigas. Moi, si tu peux essayer de me négocier. Un 25 gigas pour déjà, hey, il sait pas négocier lui, c'est vrai, il va dire oui, ok, ok, ok. Il va rigoler. C'est combien les prix pour une carte SIM 55 gigas? 55 dinars. Ouais, appelle 5 dinars. Et c'est quoi après les autres prix? 25 gigas. 25 gigas, 30 dinars. 10 gigas, 20 dinars. Et 55 gigas, tu peux me le faire à 50? Non, impossible. Impossible? C'est un système. Ah, ok. Si tu fais étoile 124 gigas de ton compte téléphone, vous allez recevoir un message où il y a 55 gigas avec 55 gigas. Ok. Les deux pigeons, pigeon numéro 1, pigeon numéro 2, vous savez vraiment pas négocier. Bon les frérots, nous on va vous laisser là. Mettez un like, abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, Inch'Allah. Et mettez un petit like pour les lunettes. Yassine, il m'a payé. Pour une fois dans sa vie, il m'a payé un truc. Ciao.